appris ce matin qu'un Français avait été tué alors qu'il faisait du jet ski au large des côtes algériennes. Un deuxième Français a été arrêté et incarcéré par les autorités algériennes. Patrick Sauce, que sait-on de ce qui s'est passé ? Déjà, un avertissement, c'est une affaire sensible. Parce que vous voyez la carte, nous sommes à Saïda, on est à la frontière entre le Maroc et l'Algérie. Rappelons-le, les frontières entre le Maroc et l'Algérie sont fermées depuis 30 ans, depuis 1994. L'Algérie et le Maroc ne se parlent plus depuis août 2021. Ça fait 2 ans qu'ils ont rompu ces deux pays leurs relations diplomatiques. Et donc, là aussi, en forme d'avertissement, ce que je vais vous dire, nous le tenons d'un rescapé de ce qui s'est passé mardi soir. Un rescapé qui a été interrogé et cité par des médias qu'on va qualifier sinon d'ultranationaliste marocain, au moins très très proche du pouvoir. Voilà pourquoi il faut être extrêmement prudent. Ce qu'il s'est passé, selon ce témoin, c'est que mardi soir, au large de cette station balnéaire qui est très connue par les Marocains à Saïda, c'est une longue plage qui est toute proche de la frontière, mardi soir, 4 jeunes hommes partent faire du jet ski, chacun sur leur jet ski. La nuit est en train de tomber, ils se perdent, ils tombent en panne d'essence et ils ne voient pas, on est en mer, que, ils sont passés de l'autre côté de la frontière. Ils sont, selon le rescapé, abordés par des zodiacs avec écrit Algérie et des uniformes à bord, des zigzags. Le zodiac algérien va tenter de renverser l'un des jet skis, puis va tirer. Ce qu'on nous donne comme bilan, et cette fois c'est le Quai d'Orsay, donc le ministère français des Affaires étrangères, c'est qu'il y a un ressortissant français qui a été tué. Un autre est aujourd'hui aux mains des autorités algériennes. Vous avez le rescapé qui est franco-marocain, qui a pu revenir du côté de la marine marocaine. Et vous avez un ressortissant marocain qui, lui, a été tué. Ce que dit le Quai d'Orsay, c'est que le centre de crise du ministère des Affaires étrangères est en lien avec les familles. Les ambassades de France à Rabat, donc au Maroc, mais aussi à Alger en Algérie, sont en lien avec les familles. Et le parquet de Paris, qui est compétent, vous savez, qui a une compétence universelle, par exemple, lorsqu'un Français meurt dans un attentat à l'étranger, le parquet de Paris est saisi. Il a été avisé, selon le Quai d'Orsay. Là aussi, c'est extrêmement sensible parce qu'encore une fois, il y a des conséquences diplomatiques entre les deux pays. Merci Patrick.